D'abord donc, l'information la plus préoccupante de la matinée à propos du conflit entre l'Irak et l'Iran, c'est l'interruption du trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, par lequel passe une grande partie du pétrole arabe vers l'Occident, et vers le monde entier d'ailleurs. Interruption du trafic et non blocus, il faut le préciser tout de suite, Philippe Rochon. Oui, alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'aucun pétrolier n'a été jusqu'à maintenant touché, mais le trafic a été interrompu parce qu'on a peur de l'extension du conflit. En effet, vous voyez, les pétroliers chargent essentiellement dans cette région, c'est-à-dire ici l'île de Kargo pour l'Iran, là pour le Koweït, ici pour l'Arabie Saoudite Rastanoura, ainsi que pour les Émirats dans cette région. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'Irak, qui conteste à l'Iran le contrôle de l'entrée du golfe Persique, c'est-à-dire ces îles de Abu Moussa, du Grand Tombe et du Petit Tombe, laisse prévoir une extension des conflits ici. Donc si les combats se déroulaient ici, comme nous l'avons fait remarquer hier, le détroit d'Ormuz, qui fait à peu près 50 km, serait bloqué par les combats et les pétroliers, donc, ne pourraient plus passer. Bien, c'est l'occasion de rappeler toujours, on l'a déjà fait, mais c'est important, justement, l'importance de ce détroit. Alors ce détroit, nous allons voir d'ailleurs les images qui avaient été tournées dernièrement dans le détroit d'Ormuz, ce détroit, c'est 40% du pétrole destiné au monde occidental qui passe par là, par le golfe Persique. Et en temps normal, on compte dans cette région un pétrolier par minute. L'interruption du trafic touche tous les pays de la région, l'Irak en premier lieu, qui exporte par là le tiers de sa production, soit plus d'un million de barils. La paralysie des pétroliers nous touche aussi directement, puisque le quart de notre pétrole vient d'Irak, mais aussi d'Arabie Saoudite, qui, elle, fait passer là la moitié de sa production. Donc si l'arrêt du trafic se poursuit, c'est tout l'approvisionnement pétrolier du monde occidental qui va être compromis. Voilà pourquoi les événements risquent de se précipiter. Trop de puissances sont impliquées et concernées pour laisser les deux pays continuer l'affrontement. Bien, je